Salut, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 27, saison 5 de Modus. Donc là on est dans les caves où je vous ai laissé la dernière fois, après qu'on ait miné avec notre Destruction Catalyst. Et on va repasser en vue à la première personne. Voilà, alors ce que je vous propose. Alors notre problème c'est qu'on manquait de torches, qu'on n'a pas trouvé de charbon. Et que sans charbon, sans torches c'est chiant, donc on va remonter. On descendra par la suite. On va se faire aussi. J'ai une idée. J'ai une idée géniale en fait. Je pense une idée géniale. Et donc on va se faire un petit truc. On va essayer de se faire une petite machine avant de repartir. Je sais pas si j'aurai assez de ressources. On va voir. Au pire des cas, on retournera juste avec des torches. À voir. Bon, sur ce. Alors, on est remonté. Ouais, on va se faire, je vous accélère un petit ramassage de nourriture, même si ça sert plus à grand chose en vrai. J'ai déjà énormément de nourriture, mais bon. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. On a récupéré des tas de graines. On a récupéré combien? On est à 47 de blé et 19 graines, c'est énorme. Alors c'est parti, donc on va se faire plusieurs choses. Alors je vais aller faire une petite je refais une accélération là, je suis désolé, pour aller vérifier les recettes où je vais couper en fait. J'ai pris l'habitude, j'ai fait ça dans l'épisode précédent déjà au montage. Quand je vais chercher les recettes, je vous coupe juste parce que de toute façon il se passe rien et je bouge pas, donc je vous coupe le truc et je vous reprends juste après. Ok, so, j'ai trouvé ce que je veux faire, donc c'est le nouveau mode que j'ai ajouté hein, pour cet épisode. C'est le Ender Chest. Donc j'ai besoin d'obsidien, Ender Pearl, des Blaze Root et de la laine. Alors la laine, ça va être le plus facile. Non, et puis un chest. Donc, ça, c'est le chest, ce sera plus facile. Par contre, au niveau du reste, ça risque d'être un peu difficile. Je vais voir, est-ce que j'ai l'obsidien? Je pense que l'obsidien, j'en ai encore. Donc ça, c'est bon. Ok, au niveau de la laine, j'en ai plein. Donc ça va aller aussi. J'ai une enderpearl. Ok. Alors, ce qui va manquer, c'est les blaze rod, je suis pas sûr d'en avoir. Auquel cas, il va falloir qu'on aille dans le nether pour en chercher. J'en vois pas là. J'en vois nulle part. J'ai l'impression que j'en avais déjà vu pourtant. Bon, mais écoutez, du coup, on va être obligé d'aller se chercher dans les airs. On n'a pas le choix. Donc, on va se faire un petit tri d'inventaire. Écoutez, sur ce, alors on va essayer ce qu'on a une armure. On a une armure. On se prend l'épée, donc on va à la recherche de Blaze. Il me faut 4 Blaze Road, donc c'est pas gagné. Et c'est parti. Ok, donc on est là. Les Blaze, alors les Blaze, c'est par là. Vous voyez, j'ai le petit chemin qu'on avait fait avec l'épisode d'avant. On va espérer qu'il n'y ait pas de. Un petit escalier, hop. C'est parti. On accélère pour pas se manger des boules de feu sur le chemin. Hop, hop. C'est bon. Donc on est là. Alors, si toi tu pouvais te pousser, ce serait pas mal. Alors, on est là. Je dis c'est bon, mais bon. Alors, ici, on avait une petite fenêtre juste pour regarder un peu où on était. Si je peux récupérer la glowstone, pourquoi pas. Hein. Mais bon. L'objectif, c'est vraiment les blazes. Alors, je sais que vous m'avez donné conseil sur les blazes, merci d'apporter des boules de neige, etc. Mais, j'ai pas vu de biome neige, en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais juste pas de biome neige, donc je peux pas. Il me faudrait de la glace ou de la neige, enfin quelque chose de ce style. Mais j'ai pas. Voilà, je vais pas passer 3 heures à chercher.
Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, allez, peut-être que je me fais une recherche de neige, etc. Mais bon, ça fera plein d'épisodes inintéressants. Ça m'intéresse pas. C'est pas. Voilà, ça m'intéresse pas, quoi. Donc on va faire sans la neige. Et on va bien réussir à tuer du blaze à l'épée. On va bien réussir à faire quelque chose quand même. Alors, attendez, pourquoi il y a la lave là? Alors, hop. Je suis désolé, hein, je fais un peu de la manip comme ça. Bon, de toute façon, on va rester par ici. Alors. Il y a un escalier qui descend. Là-bas, j'ai de la glowstone, mais bon, c'est pas notre objectif. On va passer en dessous. Ok. Je t'ai pas fait mal, hein? Non. Alors, je suis arrivé là. On est toujours dans les couloirs. Fais pas le fier. Ok, il y a des trucs comme ça, on peut aller les récupérer, je suppose. Je crois que c'est pour les potions seulement, mais bon. Ah, mais il y a de la sous-stande, remarqué. Okay. On va la prendre la sous-stande, ça me plaît, ça. Hop, voilà. Donc on va essayer de se faire des pièges hein, pour les blazes, je pense. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de terre pour être capable de faire un piège en se protégeant des boules de feu tout en les tapant. Ok, donc là on a fini de regarder ce qu'il y avait par ici. On va se mettre un truc là comme ça. Ça veut dire, hop, j'ai fini ce qu'il y a par là. Par ici, il y a quoi? J'ai à nouveau un puits. Bon, on va aller voir par là. Ah, ça y est. Là, on a des blazes. Ah, attendez. Là, il y a un panneau. Alors, ça doit être quand les... Help. Ouais, il y a des tas de blazes là. Oh, pas bon. On va retourner se cacher. Ok. Donc. On va se prendre. Alors, est-ce qu'il me reste de la terre? Il me reste plus de terre, du coup, j'ai tout usé. Donc, on va prendre la cobble. Voilà, donc là, les blazes, ils arrivent. Donc, on va. Voilà. Donc, là, ils doivent pas pouvoir passer. Donc, là, ok. Derrière, on va creuser un trou au milieu. Hop! Allez, viens là, toi. Coucou. Alors, attendez, je vais manger parce qu'avant de mourir. J'ai pas fait gaffe. Moi, j'ai pris plein de pain. Normalement, je devrais être ok, mais. Voilà. Alors, viens par ici. Donc, est-ce que je peux leur. Je dois pouvoir les envoyer leur bout de feu, non? Ce que je voudrais, c'est faire un truc. Un passage pour que les blazes ils soient obligés de passer comme ça.
Et voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Tac, tac. Ok. Yeah. Ok, c'est parti. Comme le blé est mort, je vais récupérer. Oui, j'en ai une. Hop, et demain. Allez, venez les autres. Bon, on va casser le bloc, on va essayer de les attirer. On va se poser des blocs de protection. Hop, vraiment, stratégie, hein. Protection. Hop. C'est parti. Allez, viens, mon coco. Non. Ah, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il se téléporte le blaze ou. Je sais pas comment il est arrivé, comment il est arrivé derrière moi. Ok, 2-2. Deux blaze rod, c'est parti. Il m'en faut 4, hein. Donc là c'est pas encore gagné. Enfin, il m'en faut 4, non, en fait il m'en faut 8. On va se rapprocher un petit peu ici. Hop, on va se recacher. Ok. Je brûle, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai brûlé, mais je suis pas mort. J'ai un cadavre derrière moi en fait. Hein. Allez, il est au-dessus là. Hop, il est mort. Il y en a un de mort. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser des petits blocs ici pour qu'ils puissent pas venir au-dessus. Ou pas si près, quoi. Voilà. Alors. C'est un blaze là-bas, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est lui qui va venir, en fait. Ah, il y a un gaz aussi. Hop, ok. Donc il m'a envoyé une boule de feu. C'est pas grave, hein. J'ai la nourriture. Allez, viens là. T'es où? Attendez, on va se poser une protection contre le blaze en face. Il est où le blaze? Blaze, où es-tu? Non. Ah, il est là-bas.
Allez. Elle est là. Elle vient par ici. Oups. Oups. Ok, il est mort. Il m'a pas donné de blaze lui. Allez, venez là. Combat épique contre les blazes. On va casser le petit mur là. Allez, venez là. Tu viens ou tu viens pas? Voilà. Tu as combien de blaze? 3. Bon, remarquez, avec. Je me dis maintenant qu'avec ma table d'enchantement, je peux. Enfin, ma table d'enchantement. Ma table de transmutation, je pourrais me créer plein de Blaze Rod avec juste une. J'aurais bien aimé réussir à en récupérer 8, mais. C'est pas évident quand même. Hein. Ça commence à être un peu. Chiant. À récupérer ces Blaze. Pourquoi ils viennent pas m'attaquer là? Allez, venez! Venez, je suis juste là, venez! C'est pas compliqué! Ah voilà, allez viens! Voilà. Il m'a donné une blaze ou pas? Ouais, 4. Bon, on va attendre que ça s'unisse. Et on va essayer d'aller buter ceux qui sont en face là-bas. En se faisant une protection de l'autre côté. C'est parti. Hop, hop, hop. Oh là là, trop risqué. Hop là, je reviens. Ouh.
Il me reste combien de pierres? Plus grand chose, hein. Voilà, là je suis tranquille. Ok, là je suis tranquille maintenant. Ça c'est bon. Ensuite, on va essayer de se taper cela. Allez, venez, Blaze. Allez, je te suis là et après on passe, on sauve. Allez, là. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, bah, c'est voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Après, à combien de... Ah, je fais juste à combien on en est. On en est à 5. Ok, 5, c'est pas mal déjà. Maintenant, on court. Hop, hop. Ok, donc on va rentrer à la base. Considérant que c'est assez. Bon, on va essayer d'entrer à la base. On va rentrer à la base, mais je sais pas du tout par où il faut aller. Ah, les portails sont là-bas. Ok, le truc pour traverser est là-bas. Donc, a priori, on va passer par là. Bon, je vous accélère le retour au portail, sauf s'il se passe des choses. Ok, j'ai réussi. Alors, je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, en gros, les gars, ils ont éteint le portail quand j'étais ici en train de m'échapper, et ils ont allumé l'autre, parce que leur boule de feu permet d'éteindre et d'arrêter les portails. Voilà, donc, en bilan, j'ai récupéré de la glowstone, des champignons, des netherwort, et des blaze rods. Voilà. Du coup, blaze rod, on va aller la prendre tout de suite ici, parce que faut pas déconner, à 1000 quand même, hein. Non, c'est pas très grave, on va réussir à s'en faire. Hop. Voilà, il ne me reste plus que ça. Alors, voyons un peu ce que je peux voir. Il m'en faut 8 en tout, hein. Donc ça, c'est pas encore bon. Voilà, donc là je vais me prendre un blaze rod. Il m'en faut encore une. Voilà, c'est là que je dois mettre. Voilà. Tac. Et voilà. Je la revide, comme ça, j'ai plus rien. Ok, j'ai vu Blaze Rod. C'est parti. Donc, on va se prendre tous les matériaux qu'il faut. On va prendre tout ça. On va vérifier. Donc, il me faut la laine, l'obsidienne, l'enderpearl. Alors, l'enderpearl, c'est pareil. On va. Alors, attendez. Elle vaut combien l'enderpearl? Elle vaut 1000 aussi. Donc. Ah oui, donc le problème que j'ai, c'est que ça c'est. Ah d'accord, la blaze rod c'est du fuel. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. L'enderpearl, on va la prendre. On l'a déjà. Et on va aller la mettre dans notre autre petit truc là-bas.
qui nous permet de convertir. On va voir ce qu'on combien on a de ressources là, dans ce truc là d'ailleurs, parce que ça continue de marcher, de marcher, de marcher, de marcher. On en est à un stack, ok, et on va se mettre des enderpearls. Voilà, finalement je laisse tomber, je veux des enderpearls. Ok, c'est fini. Ok, donc là j'ai des tonnes d'enderpearls. Il va m'en falloir 4, enfin 5. Voilà, tac, fais-moi les enderpearls, après tout c'est bien les enderpearls. Ok, donc a priori on a tout ce qu'il faut pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors j'ai renlevé le texture pack, juste pour voir. Je vais attendre de voir vos commentaires sur l'épisode où je les avais mis, pour voir si, parce que je me dis que peut-être que pour vous c'est moins lisible. Voilà, alors, pour moi j'ai du mal, mais si en plus vous n'arrivez pas à voir ce que je fais, ça peut être désagréable. Donc, on est parti. On a besoin de coffres. On a besoin de bois. Voilà. Alors, donc, on va se faire du bois. On va se faire deux coffres. Hop. Tac. Ensuite. Comme ça. Et j'ai évidemment oublié de prendre la laine. Hop. Voilà. On recommence. La laine, l'obsidien. Hop. L'enderpearl. Les blaze rods. Voilà. Et les chests. Et voilà, ender chest. Attention. Bing! Connection lost. Ah! Bon, je reviens. Ok. Donc, j'ai trouvé c'était quoi le problème. Je m'étais gouré. J'avais oublié d'installer le mod sur le serveur. J'ai installé que sur le client. Donc, voilà. C'est chose réparée. Je vais repris au même endroit. Et voilà. Donc, on va se poser notre petit ender chest. On va le poser ici, je vous propose. Donc, vous voyez, voilà. Un ender chest. Donc, déjà, c'est un coffre classe. Et on veut en garder un sur nous. Alors, je vais vérifier, on en a combien de la vidéo. Ok, donc là, on a 38 minutes. Mais bon, il y aura pas mal d'accélérés. Donc voilà ce que je vous propose de faire. On va voir ce coffre-là. Alors, on va faire un test. On va retourner creuser. Donc, on va vider nos affaires. Voilà. Et on va aller retourner au fond de la mine. Je sais plus par laquelle j'étais descendu. Hop. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort aussi. Alors, bah, ça devait être là. Hein. Donc, hop, on redescend jusqu'en bas. Je vous retrouve en bas. C'est parti. Voilà. Donc, je suis ici et on va réutiliser notre super destruction catalyst ici. Du coup, on va prendre la torche. Hop, et on va la reposer. Voilà. Alors, destruction catalyst. Attendez. Non, c'est pas comme ça. J'ai infusé quoi des touches. CRV. Ah, je suis bête. J'ai enlevé toute ma glowstone. J'ai plus de glowstone ni de redstone. Du coup, ça ne marche plus. Alors attendez, on va voir si on arrive à récupérer un peu de redstone par ici. Et non. Bon, bah du coup, alors, c'est loupé. Je mine un petit coup ce que, du ressource que je vois. Ils ne sortent pas gâchés.
Et derrière, je retourne chercher ma glowstone. J'y ai pensé la première fois et j'ai pas pensé la deuxième. Ça s'appelle de la loose. Bah attendez, bon, à mine, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est qu'on. Donc, je vous mine tout ça et je vous retrouve juste après le minage. Oh, un diamant. J'ai trouvé la redstone. Ah, du coup, ça va peut-être résoudre le problème. Ok. Donc, sur ce, on va retenter de se faire. Donc, on va récupérer notre torche. Hop. Et on va se la mettre ici. Et on va retenter notre catalyst. Bing! Ça marche. Donc là, on a récupéré quoi? Donc, diamant, ça c'était fait. On a récupéré des choses. Je sais pas, du silver. Je sais pas si j'avais déjà. Ah, par contre, oh, on a de l'eau juste au-dessus de la tête. C'est pas très grave. On va se poser une torche ici. Voilà. On va se récupérer encore tout ça et je vous montre. À quoi va me servir l'Ender Chest? Voilà, donc vous voyez, tac, on va se poser l'Ender Chest ici. Il est où? Là. Tac, je l'ouvre et là je dépose toutes les choses que j'ai à l'intérieur. Voilà, tac, tac, hop, toutes les choses importantes. Voilà, tout ce que j'ai récupéré en. Ok. Et maintenant, je le démonte. J'ai tout perdu. J'ai perdu tous les items. Bah écoutez, on va remonter au labo. Là là, mes items, mes items. Bon, je laisse tuer le suspense, hein, mais en fait, vous voyez, bon, les items, ils sont toujours là. Voilà, donc les coffres, ils sont partagés. Donc, quand je mettrai. Donc, je vais toujours me trimballer avec mon Ender Chest sur moi. Et quand. Alors, je crois que je peux même faire mieux parce qu'il y a des Ender Punch. Enfin, en gros, des sacs qu'on peut porter. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, mais. On verra par la suite si on peut faire encore mieux. Et, bah voilà, du coup, je peux. Voilà, je peux déposer mes choses et donc miner pendant plus longtemps et déposer tout ce que j'ai. Voilà. Sur ce, bah voilà, c'était pour vous montrer l'Ender Chest. C'était pas mal. On a fait une belle sortie dans le Nether. On a récupéré des blazes. Bah voilà, un épisode mi-action, mi-nouvelle. Bah, nouveau mode. Voilà, utilisez tout de suite. Sur ce, je vous dis à plus tard et faites du plus, regardez mes vidéos. Et mettez des commentaires. Allez, ciao!